Alors, mon vieux Télesphore, on fait son beurre en vendant du faux? Quoi? Comment osez-vous? Un connaisseur comme moi? J'ai un diplôme de la Sorbonne, moi, avorton. Pas un torchon émis par une institution de pacotille. J'ai parcouru le monde pour accumuler cette collection des plus splendides. Ne t'étouffe pas, je sais que tu t'y connais, je te comprends. Vendre une belle pièce à un ignorant, c'est comme jeter des perles au cochon. Un pigeon veut acheter le chapeau de Napoléon. Pourquoi ne pas le satisfaire? Et on garde les beaux morceaux pour soi. Mais franchement, entre nous, Hermès qui joue au poker, c'est plutôt faible. Bon, j'admets qu'il m'arrive de vendre des faux. C'est qu'il me faut de l'argent pour sauver les vraies antiquités. Et la statue Maya, elle était authentique? Non, mais c'était une très belle imitation et j'en aurais tiré un gros paquet. Intéressant. Alors le voleur s'est tiré avec un faux. Bon, je vais tout faire pour retrouver votre sculpture. S'il vous plaît, ne le dites à personne. Si ça se savait, je perdrais toute ma clientèle. Fiez-vous à moi. Est-ce qu'il y avait quelque chose sur le mur, là, avant? Ma foi, oui. Il y avait une magnifique icône byzantine. Il semble qu'on m'ait également volé ça. C'est bizarre. On a volé seulement la statue et ça. Quel est le lien entre une statue maya et une icône? Ça, c'est à vous de le trouver, hein? Avez-vous averti la police du cambriolage? Oui, j'ai rapporté la chose au poste 34. Ils m'ont dit qu'un détective avait été mis sur l'affaire. Avez-vous averti la police? Oui, j'ai rapporté la chose au poste 34. Ils m'ont dit qu'un détective... Une nouvelle vache retrouvée décharnée à Saint-Léonard. Plus une once de viande sur cette pauvre vache. Demandez les dernières nouvelles. Bonjour, petit. Hey, tu serais pas le nouvel associé de Gaspard, par hasard? Oui, mais comment tu sais ça? Savoir, c'est ma spécialité. Par ailleurs, un informateur comme moi pourrait être très utile. Considérant que tu ne connais rien à Montréal. Oui, je suppose que ça pourrait être une bonne idée. Tu voudrais quoi en échange? Des bonbons? L'abonnement au journal, c'est 50 cents. Et l'abonnement à Kid Papillon? C'est moi, ça. C'est aussi 50 cents. Un dollar, espèce de rapace! Un dollar pour avoir à la fois les infos officielles et officieuses, c'est pas si cher payé. Et puis, j'ai une mère syphilitique à entretenir, moi. Ainsi que mes 5 frères et sœurs illégitimes. Ah non! Je ne vais pas me faire escroquer par un gamin. Comme tu veux, boss. C'est ta carrière que tu gâches après tout.
Alors, comment vont les forces de l'ordre? Les quoi? Les forces de l'ordre, vous savez, la police. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Pouvez-vous me dire qui s'occupe du vol chez l'antiquaire? Hein? Quoi? Quoi, encore? Écoutez, si c'est pas un meurtre en cours, laissez-nous faire notre travail! Eh oh, fonctionnaire, je paye votre salaire alors, d'une heure. Oh, l'éternel argument. Bon, vous vouliez savoir quoi? Quel détective enquête sur le vol chez l'antiquaire? Voyons voir. Un instant. Ah, ça me revient! Il est presque... Roméo Duguay. Merci. Est-ce que je pourrais lui parler? Absolument pas. Laissez-moi parler au détective Duguay. Mon Dieu, je suis tellement intimidé. Maman, on m'intimide! Bon, ça va, vous pouvez arrêter maintenant. Au secours! Au secours! Pourriez-vous développer ces photos, s'il vous plaît? Déjà en train de me donner du travail? Je savais que tu n'apporterais que des ennuis! En plus, tu nous rapportes de la pornographie! Je t'en ferai les doubles! Tu pourrais sûrement y apprendre quelque chose puissant! Mais comment savez-vous que... Quand on est puceau, on se tait! Dites donc, c'est possible d'avoir de l'aide de la police dans ce métier? Ça dépend du policier. Un certain Roméo Duguay est sur l'affaire de l'antiquaire. J'aimerais bien lui parler, mais le type de la réception me bloque. Roméo, ça tombe bien. Il me doit plusieurs services. Je vais lui téléphoner et lui parler de toi. Tu dis au policier de service que tu viens de ma part. Et que s'il ne collabore pas, ça va mal aller. Merci, boss. À propos de mon bureau? Pas si vite, garçon. Chacun a sa place. Dans ce métier, il faut savoir se montrer digne et mériter ses galons. Démerde-toi dans quelques enquêtes. Apprends à tenir ton alcool et ta langue. Et surtout... Mets-toi dans le crâne que les bancs d'école sont derrière toi. Quand tu auras fait tes preuves, on relèvera le pupitre d'un centimètre ou deux. Vous voulez dire qu'il est ajustable? Bien sûr, c'est du dernier cri. Mais que je ne te vois pas le bricoler sans ma permission. Ah, c'est pas mal du tout ça. Le cadrage n'est pas parfait, mais... On voit ce qu'on a à voir. Tu as rempli ta première mission. Bravo. Tiens, tu mérites bien une petite avance. Voilà 2 $.
ne dépense pas tout en friandises, gamin. Alors, t'es prêt à accepter ma proposition? D'accord, mais c'est du vol. Parfait. Alors tu peux maintenant compter sur moi. Et puis, voilà le journal d'aujourd'hui. Si j'étais vous, j'irais chercher immédiatement le détective Duguay. Ah bon? Et pourquoi cela? Je viens de la part de Gaspard le Maître, à qui il doit de nombreuses faveurs. Je crois qu'il serait très mécontent d'apprendre que vous me faites perdre mon temps. J'espère pour vous que vous dites la vérité. Alors, vous êtes le nouvel assistant de Gaspard? Oui, c'est ça. Intéressant. Comment puis-je vous aider? Vous êtes chargé de l'enquête du vol chez l'antiquaire Doucet. C'est exact. Avez-vous des pistes prometteuses pour l'instant? Pas vraiment. Monsieur Doucet est reconnu pour être plutôt dur en affaires. Pour l'instant, nous cherchons du côté des clients frustrés. Si je vous fournis une piste pour l'affaire de l'antiquaire, me donnerez-vous 10 cents? C'est pas trop cher payé. Avez-vous remarqué qu'une icône byzantine a aussi été volée chez l'antiquaire? Vraiment? Non, ça nous a échappé. Vous avez le sens de l'observation? Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Une icône, hein? Oui. Il y avait un petit voleur du nom d'Ivan Larapine. Il était fanatique des icônes. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais ça pourrait constituer une piste. Vous vous rappelez de notre marché? Oui, d'accord. Voici vos 10 cents. Du nouveau dans l'affaire de l'antiquaire? Non, pas vraiment. La plupart de nos agents sont occupés à mater des manifestations syndicales. Dites donc, cher informateur, Ivan Larapine, ça te dit quelque chose? Ouais. Tu saurais où le trouver? Ouais. Alors, où? Pour 50 cents, je t'amène à lui. Mais je t'ai déjà donné $1. Ça, c'est pour l'abonnement général. Les tuyaux sont négociables à la pièce. Si tu veux voir Ivan, tu me files l'oseille. Ça marche pas, ton histoire d'abonnement. Ça donne strictement rien puisqu'il faut payer à la pièce. Je vais fermer les yeux, mais le 50 cents que je t'ai donné tantôt vaudra pour ce renseignement. Bon, d'accord. C'est vrai que c'était de l'arnaque. Bon, on y va. Il est mort? Je t'ai dit que je t'amènerais à lui. Je t'ai jamais garanti qu'il serait vivant.
Je vois. Très amusant. Je suppose qu'on apprend de ses erreurs. Comme tu dis. Bon, je me casse. Ah, te voilà. Ça suffit pour aujourd'hui. Va m'attendre à la taverne au coin de la rue. On pourra apprendre à se connaître un peu. Monsieur, dites-moi, c'est une blague cet écriteau ? Non, pourquoi ? J'ai l'air de blaguer ? Il y a un tas de choses que j'accepte en guise de paiement. Des dents en or, des montres, des animaux s'il le faut. Mais je ne suis pas un spécialiste en antiquité. Alors quand ils m'ont proposé des icônes byzantines, ces deux cons, je les ai remballés. Deux cons ? Oui, des frères jumeaux. Et je pense pas qu'ils atteignent le niveau intellectuel d'un écureuil à deux. Vous pourriez me les décrire ? Ce sont deux Italiens bourrés à la semoule. Ils portent une affreuse petite moustache. Comme cet enculé que j'ai rencontré à Berlin. Bitter, Zitter, Midler. Une vraie tête à claque. Bref, deux Italiens moustachus et gros. Ils viennent assez souvent ici. Merci bien. Je vois que vous avez un piano. Il y a des spectacles ici parfois ? Ça oui. J'ai embauché un génie débarqué de Louisiane. Malheureusement, il n'est pas souvent disponible. Et il donne beaucoup de concerts ? Non, il milite pour les droits des Noirs. Un Noir ? C'est intéressant, ça. J'en ai jamais vu. Et ça consiste en quoi, son militantisme ? Des manifestations ? Avec la répression policière, ça consiste essentiellement à passer du temps en prison. Oh, je vois. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais j'ai la nette impression d'entendre des vagues. C'est un disque que je mets. La terre ferme, ça me déprime parfois. C'est thérapeutique. Je vois. Bonjour. Salut l'ami, je te sers quoi ? Que me conseillez-vous ? Si tu as du temps, je te conseille le forfait capitaine au long cours. Le but est d'aboutir aux bières belges. Mais on passe par Montréal, l'Irlande, l'Angleterre, le Danemark et l'Allemagne. Ça a l'air bien. Mais vous n'auriez pas un truc du genre forfait moussaillon ? Et une moule, c'est une tablette pour le bleu-bit. Dites, vous connaissez sans doute mon patron, monsieur le maître. Bien sûr que je le connais. C'est un bon client, un client distingué. Il se lance souvent à l'aventure dans le forfait capitaine au long cours. Alors là, il en dit de drôles de choses. Quel genre de choses ? Il me parle de son ancienne vie. Mais tu sais, il n'est pas facile à suivre, vu qu'il est complètement givré. Ce que je peux te dire, c'est qu'un type avec une étoffe pareille, ça ne se voit pas tous les jours. Vous ne pourriez pas être plus précis ? Eh oh, tu n'as qu'à lui demander. Je prends pas des notes, moi. Alors, on papote comme des lavandières? J'en veux un qui vienne s'asseoir avec moi.
et l'autre qui se ramène avec deux verres de Bordeaux. Je vous laisse décider des rôles. Vous vouliez me parler de quelque chose en particulier? Je ne sais pas trop. Il est sans doute encore trop tôt. Nous aurons d'autres occasions. Je ne comprends pas. Je te demande pas de comprendre. Je veux te préparer à certaines éventualités. Par exemple, si je venais pour une raison ou une autre... Enfin non, une autre fois.